De quoi? Trop léger, c'est pas une pirouette voix, là, c'est un meurtre. Trop léger ce personnage. Ah oui, mais tu es très léger. Et vu que t'es flottis, des fois tu te rends compte que tu es en mode ouais, mais je vais pas me prendre ce coup, mais en fait c'est trop léger et tout. Et voilà. Du coup. Ah oui, bah oui, c'est. Ah bah oui, hein, c'est en plus les moves de billets, c'est pareil. Hein. Du coup, on enchaîne directement avec Loser Final. Merde, c'est pas Finals. C'est Loser Final entre Ivan et Tsukiyomi. Tsuki qui vraiment fait une très très bonne loser actuellement. On en parle pas assez, mais on est sur un Tsuki qui a perdu son second match. Du coup, son T2. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5 wins en loser. Non, 4 wins en loser et donc il est en 5-1. Là, est-ce qu'il va faire le 6-1? Après, Ivan, c'est quand même quelqu'un de vraiment de chaud. Attention, mais on est quand même sur une Zelda Link. En fait, c'est très drôle parce que on est vraiment sur The Legend of Zelda actuellement. Il aurait suffi d'avoir une map légale The Legend of Zelda et on était vraiment sur le match-up. Genre là, en fait, c'est Tears of the Kingdom avant l'heure, tu vois, mais on le sait pas. Mais il se tabasse la gueule dans le jeu, tu vois. C'est oh, oui, on n'est pas mort, on n'a pas touché le spot. Dommage du côté de Tsuki. En plus, le spot il est surprenant souvent. De voilà, on a fait son fameux ledge trap de on lance la bombe, on attend. Voilà, très bon Biffy. Oh, ça a failli prendre la stock du côté de Philippe. Non, ah non. Oui, voilà. Ça, il a bien fait parce qu'il avait aucun smash, aucun tilt. Nous valait mieux faire un B. C'était gratuit. On avait la bombe en main. Voilà, dash grab. Très, très, très bien vu. Oh, on n'a pas failli par écho. On va peut-être tenter encore se faire de ces fameux biffy. Dans l'air, on trade, on s'en fiche. Oh, les 20, j'attendais peut-être pas ce side B comme ça là. Oh. On joue dans le jeu que tu connais vivant, j'ai l'impression. Mais on affronte quand même Zelda. On affronte un Zelda qui a un Knight, on affronte un Zelda qui a un Side B, qui a un Neutral B. C'est pas facile. Le matchup Link-Zelda, il doit être pas forcément compliqué pour les deux joueurs. Pour les deux personnages, parce que vraiment, bon, on parle de matchup. Bon, c'est quand même surtout les joueurs qui ont la distance. Voilà. On a panic roll parce qu'on a encore peur cette bombe. On a eu peur de faire une normal get-up, de se prendre cette bombe. Mais dans la finalité, on a fait l'option la plus dangereuse, roll, parce que le F-tip prenait tout. Voilà, on prend ce B, on ne mourra pas. On n'aura pas sur ce B. Voilà, on tente ce feu de dain, mais c'est quelque chose qu'on. C'est pas. C'est super simple de l'éviter en plus, ce feu de dain. On peut vraiment, genre, juste attendre. On le voit arriver en mode ok, mais je double jump. Je grappe le ledge, c'est pas grave, je suis en ledge trap comme d'habitude. C'était pas un souci. Mais dans tous les cas, Tsuki qui montre qu'il y a du mal. Là, on est. Ah, on a trouvé enfin le kill. Non, on n'a pas le kill. Il a très très bien DI down and in pour pas mourir de ce B. On a prend toujours sa war spot, donc on prend toujours pas la stock. On a loupé ce feu de dain. Voilà, on fait dans l'air. Oh, on remercie les double hits du dans l'air. Le spécial Ivan, comme on l'appelle. Voilà, et là, on peut pas se permettre de faire ça. On est sur un calibre d'un joueur qui remarque, connaît les erreurs, connaît le personnage comme un minimum et ne se fait pas douiller avec ces fameux B qu'on a vu tout à l'heure. Mais on perd sa stock. On perd sa stock quand même parce qu'on a l'end un peu agressivement et on s'est pris un gros F-smash du joueur français Tsuki. Voilà, on a tenté avec l'obation. On aime bien l'obation, j'ai l'impression, du côté de Ivan, mais c'est intéressant de voir ça. Parce que c'est vrai que l'obation, peut être, je sais pas si elle est intéressante. Je connais pas le mec, je vais pas vous dire de bêtises. Je la trouve intéressante en général, cette map tout court. Voilà, c'est better SV pour moi, mais bon, ça c'est. Chacun son avis. Parce que SV, moi j'en peux plus d'SV, moi. Mourir à 40% du ledge, frérot, ça me casse les couilles. Là. Alors, n'importe quelle personne peut te tuer trop facilement. Et c'est pour ça que maintenant je mets plus Yuffie, je mets SV à la place. Oh là là. Ah mais clairement. Hein. Oh là là, mais. Oh. Ah non, on a été un peu trop talentueux. Est-ce qu'on va se faire back air? Non, on a attendu. Voilà, c'était une très bonne attente du côté de Tsuki. On n'arrive pas à concrétiser sur un bon avantage, mais c'est pas grave parce qu'on a déjà dans la. Ouh, on tente un knight aussi close de d'Ivan. Un peu dommage. Boudelda et Molobation, je confirme. Ok, ça marche, merci Pierrico. Ah bah oui, Pierrico. Mais je suis débile. En soi, le bastion c'est très intéressant, le bastion même de base je trouve comme map, c'est incroyable. Voilà, en fait c'est dernière, en fait c'est AB, on meurt. On a très mal d'IA. On a très mal d'IA du côté de Tsuki et du coup Ivan prend cette stock parce qu'on s'est écrasé on shield. Du coup la première game est sécurisée. On est sur un Ivan qui est confiant, il a vu beaucoup d'erreurs, il a puni beaucoup d'erreurs, il s'est permis des choses et au final on prend cette première game avec deux stocks d'avance. Match B.
Ce qui serait drôle, c'est que vraiment Tsuki arrive à comeback et finisse en grande finale. Parce que quand même, là, c'est une finale, donc on est sur un top 3 côté Tsuki. Ce qui est vraiment pas dégueu. Vraiment. Est-ce qu'on va pick Zelda? Est-ce qu'on va vouloir pick Zelda? Parce que tout à l'heure, on joue Zelda. Capitaine Falcon, d'accord, ok, on pique Captain Falcon, non, c'est... Ça joue Captain Falcon. Donc il y en a passé de Hyrule Castle à genre Smash Bros. Bon allez. Mais le problème c'est que le Switch il va être trop violent. Ouais, c'est pas bon. Enfin attention parce qu'on est quand même sur un Falcon contre Link et je pense pas que le matchup soit très drôle pour... Je veux dire pour Roger, non, pour Falcon. J'en ai marre vraiment que les persos, j'essaie les noms des joueurs en fait. Voilà, on fait ça à dodge. Voilà, là, ouf, voilà, bien vu. On attend, voilà, on wait, on a vu, bam. Ah, ouh, on n'a pas d'HEP, on est loupé. Donc on sait plus bien pas le B, le weak, le deuxième idiot B, on n'a pas pris le strong hit. Parce qu'on la reverse. Oh là là, il y avait un setup bizarre là qu'on pourrait se faire avoir. On a tenté le faire, on avait rien à perdre. Très très bon, c'est ce qu'il faire les treats. Voilà, bam. On fait le pair. Ouh, on tente des dingueries. Oh, on a tout d'un air. Non, on peut pas faire des d'un air aussi haut on shield, c'est vraiment pas safe. Et genre, Link il a tellement un bon autofill que c'est tellement risqué. Voilà, les fameuses guides d'attaque de Link qui sont vraiment broken. Oh, le Neon Shield qu'on ne pourra pas punir actuellement. On a eu peur. Est-ce qu'on va prendre ce d'un air en désavantage? Oh, presque, on était à deux doigts de se le prendre et de mourir. Ah, on a. De la plateforme. Il a fait attention, on est quand même sur toujours. Voilà, on préfère se prendre la bombe. C'est très bien vu. Voilà, ok, on reprend le center stage parce que Falcon est très bon pour récupérer le center stage très rapidement, très rapide de base. Donc ça lui permet de faire beaucoup de situations en même temps. Voilà, on ne meurt pas. Oh, off tilt. Oh, voilà, on fait dash, mag, tac, boum. Excusez-moi, je suis fatigué. Je dis de la merde. Est-ce qu'on va se prendre? C'est bon. Voilà, on Rico high parce qu'on peut se le permettre. On entend des Falcon kick. Ouais, c'est quoi ça? Voilà, on punit directement. Bon, c'était le plus gros missing put de ma vie, mais c'est pas grave. J'ai jamais vu un truc pareil. Mais c'est pas grave, ça arrive. Et faut pas se déconcentrer par ça. On sait que Tsuki a le niveau pour faire un comeback. Mais il faut déjà réussir à. Oh. Ouais, ah, weak. C'est encore inversé. Voilà, dash attack, on a vu. Ouh. On entend des choses, on entend des dingueries quand même. En fait, si on prend ce d'en air, en fait, c'est tellement gratuit après la stock. C'est totalement vrai, il a raison de faire ça. Wow, on a peut-être tenté direct. Non, mais. On pourra pas avoir Yvan sur. Vu comment il joue, on peut pas avoir Yvan sur le fait qu'il varie grave atteinte. Voilà, là, on a attendu 30 ans en relève, on se prend la bombe. Oh, on l'a vu le saut et le. Ou même le up B directement. On voulait Rico High, on voulait pas se faire des strap, on le sait, on veut clairement pas ça contre Link de base. Oh là là, Yvan qui lâche son jeu. On a tenté la ride de Dieu là. Ah, side beat, ça ne passera pas. Ok. Oh là là, on a loupé ses inputs. On avait même un F smash carrément dans nos deux punitions sur le B. Donc j'ai envie de te dire. C'est compliqué. Compliqué actuellement. Non, on peut pas dash attack comme ça on shield. C'est trop facilement punissable. Je pense que la prochaine punish sera la dernière pour Tsuki. Je pense que Tsuki va toucher le shield et va encore faire le B. Mais est-ce qu'il va réussir quand même à prendre la seconde stock de Yvan? Voilà, c'était pas safe, il a spot dodge. Voilà, dash grab. Oh, j'ai cru qu'on était SD quoi. Et on a quand même son double jump maintenant. Est-ce qu'on va réussir à Rico? Est-ce qu'on va réussir à survivre d'un seul strap? On a le retour du boomerang. Ok, on se fait F-throw, on s'en fiche. Ah, peut-être qu'on a dû tenter une up-throw là, je sais pas. Après, le perso sur l'autre. Voilà, on est mort. Là, on ne reviendra pas. Et bien joué à Yvan du coup qui a resté au carré. Le switch n'a pas été peut-être le meilleur choix. Il y a des choses qui étaient pas mal, mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas.